déchu, créateur et destructeur de monde. Entendez mon serment. Entendez mon serment! Mon serment de rébellion! Le monastère est droit devant. Reste à savoir s'il est encore sûr. Dans tous les cas, notre quête pour retrouver Antanas touche à son terme. J'espère qu'il vaut le prix du sang versé en chemin. On a réussi. Au travail. C'est calme. Trop calme. Même pour un monastère. Un instant. Thank you.
monstres continuent à affluer. Nous résistons, mais nous sommes trop peu nombreux. Leurs mouvements sont répugnants. Ils se contorsionnent et adoptent des poses contre nature. Et leur odeur... Comme si le feu et la mort vous envahissaient les narines. L'une des créatures que nous combattions nous a craché dessus. J'ai reçu de la salive dans l'œil. Elle m'a brûlé. Et elle continue de brûler en moi. Le mal est en moi, et il me change, mon crâne. Je sens les os qui bougent, j'évolue. Ce n'est pas du poison qui me court dans les veines, ni tout des ténèbres liquides. Les symptômes suivants, nous les connaissons. La vue disparaît, puis la santé mentale. Frère William, frère Peter et moi ne laisserons pas le mal nous emporter. Nous choisirons la mort avant qu'elle nous choisisse. Cher père, les feux à l'horizon se propagent vers notre village. Je t'en supplie, sois prudent. Quelque mal est à l'œuvre, je le sens. Tu peux toujours quérir asile ici, au monastère. Quoi qu'il arrive, Antanas peut nous sauver. De grâce. Veille sur toi.
J'ai trouvé une clé. Qu'est-ce que tu attends? Ouvre la porte. Un peu d'aide ne serait pas de trop. Tiens, voilà qui devrait t'aider. J'ai trouvé une clé. Qu'est-ce que tu attends?
Qu'est-ce que c'était? Je ne sais l'ordre dont Caslo parle sans arrêt.
Thank you.